from Tantoya, the mother of the Haitian Revolution, to my mother, Lunita. I come from a strong lineage of strong and powerful women. This one is the story of Rose, a strong Haitian woman from Lembe, always walking the market, and she sings this song. Class citizen, yet they never get the proper props for spearheading many, many, many a revolution movement, for taking over many economies. This is why I have to let it out, my rage, my anger, my angst, because we never learn from our mistakes. In this here city, in this here country, on indigenous land, the First Nation women disappeared, assassinated, their bodies never recovered, so that they can have peace at last. So I get my pen and my pad to write these lyrics down, to externalize that anger, that rage, and I need you to help me to let it out. We gotta let it out, everybody. I'ma count to four, and you gotta give me that roar. Come on, one, two, three, four. Rah! What you say? One, two, three, four. Rah! And this is what I'm talking about. Check it out. Au XXIe siècle, l'homme invisible d'Elson existe. Le préjudice demeure, persiste et puis signe. La résistance n'est plus dès qu'on s'y résigne. Et l'amnésie collective s'installe tranquille. La haine dans ce monde est basée sur des faits vécus. Et l'histoire se répète à chaque fois qu'on dit jamais plus. Les cœurs s'assèchent comme un désert où il n'a jamais plu. Où les vautours rapaciennent et restent à l'affût. Il y a de ceux qui ne connaîtront jamais l'aube de la fin. Pour d'autres, la fin du monde arrive à chaque matin. Leur quotidien est aigre, doux comme le sucre de la canne. Et la misère dans la main nègre qui la coupe d'une hache. Ainsi va la vie qui va, ce n'est pas d'elle qu'on se cache. On prend notre place sur la scène et pas dans les coulisses. Même si on se dirige tout droit vers le précipice, à chaque jour on le lit sur la page frontispice. Parle avec les gens, même.
XXIe siècle, de part et d'autre de l'Atlantique. Pour l'Afrique, j'ai une critique et je m'explique, dommage. La sagesse des rois mages n'est plus. La lumière a fui et partout ce n'est plus qu'une éclipse constante qui plane sur l'étendue du continent du sud au Supra-Sahara incluant, réduite au minuscule quand jadis une géante et sa jeunesse mourante et puis ses cerveaux fuyant vers le nord où l'hiver mord comme une gueule pavante. A pas besoin d'être savant pour se rendre à l'évidence. Ce fait accompli n'est pas concours de circonstances. Le poteau rouge est béant et à son rebord le néant. Triste réalité trop laide pour être sans sas. Et les mains des chefs d'État étront sous frais près sans grâce. Ahurissant, assez brisé les pneus restants sur la tête de